Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, nous partons pour Roland-Garros, ses cours de tennis, sa terre battue, mais pas seulement. Avec Simone Mathieu, nous allons rencontrer des Français libres entrés en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cœur de l'histoire. Alors, pareil endroit ne pouvait souffrir d'être médiocrement baptisé. Il fallait faire un acte d'amitié avec la mémoire d'une femme exceptionnelle. Car qui mieux que Simone Mathieu pouvait incarner la solidarité, l'audace, le courage, la modernité et la singularité de ce lieu. Simone Mathieu incarnait la volonté. Elle n'abandonnait jamais ni un échange, ni un de ses choix. C'était Bernard Giudicelli, le président de la Fédération française de tennis, le 21 mars 2019, alors qu'il inaugurait en compagnie d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, le nouveau court de Roland-Garros, construit en verre transparent et en acier, un stade de 5000 places, situé dans la verdure des Serres d'Auteuil, avec un aménagement paysager inédit pour un équipement sportif de cette ampleur, qui s'inscrivait dans la réflexion globale de Roland-Garros. Ce nouveau court de tennis porte un nom. Simone Mathieu, c'est un nom relativement peu connu. Pourtant, Simone Mathieu a été une grande championne. Et elle est entrée en résistance parmi les premiers à Londres, avec le général de Gaulle. Alors je vous emmène au cœur de sa biographie, au cœur de cette histoire, des pionniers de la résistance. Et tout commence évidemment par une partie de tennis. Nous sommes le 17 septembre 1944. Le public du tournoi international de tennis de Roland-Garros a pris place dans les rangs du court central. Il est venu assister au premier match des internationaux de France de cette année, de la libération de Paris. Il oppose Henri Cochet à un mythique joueur surnommé le Magicien et Yvon Petra, censé incarner la relève du tennis français. Cet après-midi-là, l'ambiance est très particulière. Les joueurs, comme les spectateurs, en ont conscience. Le tournoi reprend le fil de son histoire après 6 années d'interruption due à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pas tout à fait. Aux premières heures du conflit, le stade a été réquisitionné par les autorités et est devenu un camp de transit pour les étrangers jugés indésirables. Et puis, de 1941 à 1943, le tournoi a bien repris, mais les Français et les francophones seuls étaient autorisés à y participer. Il a même été débaptisé pour devenir le tournoi de France. Alors forcément, en 1944, le tournoi a une autre saveur, puisqu'il se joue dans un Paris libéré. Comme un symbole face à l'horreur, le folklore de Roland-Garros, la foule à la porte d'Auteuil, le son du rebond des balles sur les raquettes, tout est synonyme d'une liberté retrouvée. En ce début d'après-midi, le match va bientôt commencer, les joueurs sont prêts et attendent le coup d'envoi. Soudain, une femme s'avance sur le court d'un pas décidé, le sourire aux lèvres. Elle se dirige vers la chaise d'arbitre. Elle a été choisie pour donner le coup d'envoi du match et juger la partie. Son arrivée sur le court fait sensation. Elle est maquillée avec soin, vêtue d'un uniforme de capitaine des forces françaises libres. Son apparence tranche avec l'univers du court central. L'image est saisissante. Simone Mathieu, 36 ans, savoure ce moment qu'elle attend depuis si longtemps. 6 longues années que cette passionnée de tennis n'a pas foulé la terre ocre de Roland-Garros. Le public lui fait une ovation, car tous l'ont vu défiler aux côtés du général de Gaulle, sur les Champs-Élysées, le 26 août 1944, en célébrant la libération de Paris. C'est un accueil triomphal. Pourtant, quelques jours avant cette rencontre, Simone Mathieu avait montré quelques réserves à venir à Roland-Garros, malgré les bons souvenirs qu'elle y avait vécus. La joueuse de tennis professionnelle a en effet remporté ce tournoi en 1938 et 1939. Mais en 1944, le monde a changé de face et la jeune femme se fait appeler Capitaine Mathieu. Ce qui est resté en revanche, c'est son sens de l'humour inconditionnel. On s'est peut-être un peu trop pressé de m'introniser juge-arbitre pour dimanche. Pensez donc, je ne saurais même plus compter les points. Humour de cette jeune femme qui n'a pas touché une balle depuis plus de 5 ans. C'est parce qu'elle a répondu à l'appel du général de Gaulle en juin 40, en mettant sa carrière de joueuse entre parenthèses. Une décision inattendue. Car à cette époque, Simone Mathieu est une championne de tennis hors du commun, au sommet de sa gloire. Voyons cela de plus près. Entre 1928 et 1938, elle est la première joueuse française de tennis.
Elle succède à Suzanne Lenglen, surnommée la Divine. À force de persévérance, elle s'est classée, Simone, au troisième rang mondial en 1932. Elle avait alors 24 ans. Son histoire avec le tournoi de Roland-Garros est un peu chaotique. Elle perd 6 finales face à la même joueuse entre 1929 et 1937, tout près du but. Pourtant, Simone va soulever cette coupe en 1938. Elle remporte son premier titre contre Nelly Adamson, une joueuse belge. Cette année-là, elle réalise même un triplé qui est resté inédit jusqu'à ce jour, palmarès hommes et femmes confondus, en remportant le simple, le double mixte et le double dames. En 1939, elle confirme et remporte le simple et le double dames, épreuve qu'elle a d'ailleurs remportée à 6 reprises. Avec le temps, elle enchaîne les tournois français et étrangers et se forge une réputation internationale. Elle remporte 2 fois Wimbledon en double avec une Américaine. En 1925 et 1939, elle dispute des matchs en Belgique, en Italie, en Europe de l'Est, aux États-Unis, en Égypte, même en Asie centrale. Elle est d'ailleurs l'unique Française à avoir remporté en 1938 le championnat de la côte Pacifique qui se jouait en Californie à Berkeley. Elle est prête à parcourir le monde pour participer à des tournois. Simone adore les voyages, les nouveaux horizons. C'est un peu une aventurière, raquette à la main. En presque 15 ans, elle a visité la moitié du globe. 1939 donc, c'est le sommet de sa carrière. Lors de la finale à Roland-Garros, une photo exprime toute sa renommée. Tandis qu'au premier plan, elle est félicitée, au second plan, on remarque un visage que tout le monde connaît. C'est celui de l'actrice Marlène Dietrich, venue regarder la partie. Si cette championne retient l'attention, c'est qu'elle a un style assez peu académique pour l'époque. Elle surprend tout le monde par son jeu de défense. Son point fort, au-delà de son redoutable coup droit, c'est l'endurance. Simone Mathieu impose ainsi à ses adversaires un défi physique de longue durée, inédit dans les années 30. Elle est infatigable sur le court. Elle monte rarement à la volée et relance sans arrêt ses adversaires de fond de court. On dit que c'est elle qui a ouvert la voie à des joueurs qui marqueront l'histoire des championnes de fond de court comme l'américaine Chris Evert Lloyd dans les années 70. Mais Simone retient aussi les regards par sa forte personnalité. C'est une jeune femme intransigeante avec elle-même. Elle déteste perdre et se faire marquer par son opiniâtreté. Sur un court, sa détermination est totale. Elle considère son adversaire comme un ennemi. Elle n'a pas peur de contester sans arrêt les décisions des arbitres. Un peu à la façon de John McEnroe dans les années 80. Son attitude rebelle ne passe pas inaperçue. En 1931, pendant le tournoi de Wimbledon, elle se fait remarquer à 2 reprises par un coup de sang. Alors qu'elle est battue en demi-finale par l'Allemande Cilly Hausen, Simone Mathieu quitte le court très rapidement après n'avoir échangé qu'une poignée de main conventionnelle, voire négligée, avec son adversaire. 5 ans plus tard, lors du tournoi de 1936, c'est un écart de langage que relève la presse. Tenez, écoutez comment le rapporte un journaliste du Miroir des Sports le 8 décembre 1936. Comme le filet venait, à différentes reprises, de faire dévier la balle hors de sa portée, Madame Mathieu ne peut réprimer un mouvement d'humeur, jetant rageusement sa raquette, elle s'écria dépitée « Même ce damné filet est anglais ». Or, l'usage du mot « damné » passe chez les Britanniques pour une faute grave contre les convenances. Il y a un contraste entre cette personnalité rebelle et les vêtements que portaient les tenniswomen de l'époque. Une jupe blanche, une visière blanche, qui devait, d'une certaine manière, manifester le classicisme aux yeux du public. Mais avec Simone Mathieu, la jupe cache un jeu de jambes extrêmement actif et la visière lui sert de temps à autre à épargner la sueur qui coule sur son front. Le physique de Simone est très différent de celui d'autres joueuses qui ont une beauté plus classique répondant aux canons de cette époque. Elle est grande, presque massive, mais a un visage avec des traits volontaires. Mais d'où vient cette femme extrêmement douée pour le tennis? Est-ce un don? Comment s'est-elle forgée dans cette discipline du sport? La petite Simone est née le 31 janvier 1908 à Neuilly-sur-Seine, dans la très chic banlieue de l'Ouest parisien. Elle est issue d'une famille de la grande bourgeoisie. Son enfance s'est déroulée dans un contexte aisé, mais la petite fille sent bien très tôt que son père a la santé fragile. Il a été soldat pendant la Première Guerre mondiale et ne s'est jamais vraiment remis de cette expérience traumatisante. Pourtant,
il va mener une carrière d'encadrement dans le monde sportif en dirigeant le prestigieux Stade français. C'est presque un paradoxe. À 12 ans, Simone donnait des signes d'une santé fragile. Le médecin de famille l'a donc poussée à pratiquer un sport de manière régulière. Et elle a choisi le tennis, un sport auquel jouait déjà son frère. Ce dernier était même un espoir dans cette discipline. Assez vite, elle joue en famille, puis commence à disputer des tournois. Tournoi junior du Stade français à la Faisanderie de Saint-Cloud, puis tournoi avec le Racing Club de France, c'est d'ailleurs là qu'elle remporte un de ses premiers trophées. Côté privé, devenue adulte, elle épouse René Mathieu et laisse son nom de jeune fille de Passemare. Elle n'est encore qu'une adolescente, c'est le fils d'un des fondateurs et secrétaire général du Stade français. Il est journaliste, s'intéresse au tennis, mais aussi au rugby et au badminton. En 1927, Simone a 19 ans. Elle met au monde son premier enfant, un garçon. Un deuxième arrivera un an plus tard. Pour elle, c'est une nouvelle vie de famille à construire qui débute. Mais pour rien au monde, elle n'abandonnerait les cours de tennis et les compétitions. 10 ans plus tard, en août 1939, forte de sa dernière victoire à Roland-Garros, elle part pour les États-Unis pour participer aux championnats d'Amérique. Elle arrive à New York et se rend directement au centre d'entraînement de Forest Hill. Au moment où elle franchit les portes de l'établissement, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. Simone est au summum de sa carrière. Elle a une vie de famille qui l'attend en France. Mais qu'importe, il lui semble inconcevable de ne rien faire. En quelques instants, elle va décider de prêter main forte à ce qui reste d'indépendance à son pays. À 31 ans, elle va prendre une décision qui va changer sa vie. Que faire? Comment agir? Sa priorité est de quitter les États-Unis, de regagner la France. Sur le chemin du retour, la joueuse fait escale à Londres. Elle y passe quelques jours. Elle va prendre conscience des opportunités à saisir dans cette ville. Comprendre que c'est sans doute là qu'elle sera le plus utile à son pays. La championne décide donc de poser ses bagages sur les bords de la Tamise. Elle va commencer une nouvelle vie, pleine de dangers et d'aventures, loin de son mari et de ses enfants. La jeune femme veut avant tout se rendre utile. Elle commence par être conductrice, puis traductrice dans l'armée française. En France, c'est la détresse totale. Le 16 juin 1940, on apprend que le maréchal Philippe Pétain, partisan de l'armistice, devient le nouveau chef du gouvernement. Environ une dizaine de millions de civils sont sur les routes de l'Exode pour échapper à l'offensive allemande commencée au mois de mai précédent. Une seule personnalité a fui la France pour s'exiler à Londres et essayer de continuer le combat. C'est Charles de Gaulle. Ce général rebelle, détesté par le régime de Vichy, qui, le 18 juin 1940, alors que l'armistice vient d'être signé, prend la parole sur les ondes de la BBC. L'appel du 18 juin est l'acte fondateur de la résistance française. Quelques jours plus tard, sont créées les forces françaises libres. Cette armée irrégulière, sous l'autorité du général de Gaulle. Ce sont les débris de forces terrestres, navales, aériennes, qui souhaitent continuer à combattre l'ennemi. Essentiellement des hommes. Simone Mathieu de ce comté veut combattre pour l'armée française. Elle propose son aide au général. Le problème, c'est que de Gaulle voit d'un mauvais œil la présence de femmes dans l'armée. Il est réticent à l'idée que ce soit elles qui prennent les armes. Winston Churchill, quant à lui, estime qu'il existe déjà une armée féminine en Angleterre et qu'il n'y a pas besoin d'en avoir une seconde. Mais depuis 2 ans, la loi française a changé à ce sujet et les femmes vont revendiquer le droit de combattre. Car le 11 juillet 1938, on avait promulgué un texte. Pour compenser le déficit d'hommes dans l'armée française, on autorisait, pour la première fois, la présence de femmes dans les rangs de l'armée. C'est dans cette optique que Simone Mathieu propose ses services à l'armée des Français libres. La jeune femme est sûre qu'elle peut apporter quelque chose, qu'il y a une mission spécifiquement féminine à accomplir pour la défense de la France. De Gaulle va comprendre cette volonté et cette détermination. Et il va charger Simone Mathieu de mettre sur pied un corps de volontaires féminines constitué sur le modèle de l'armée anglaise, les Auxiliary Territorial Services. De Gaulle veut ainsi qu'il existe des volontaires françaises qui soutiennent
les combattants de la France libre. Au sein du quartier général des forces françaises libres, Simone Mathieu va travailler d'arrache-pied pour constituer ce corps de volontaires, appelé le CVF, Corps des volontaires françaises. Il sera composé pour l'essentiel de femmes françaises résidant en Angleterre dans la région de Londres. La priorité est de recruter le maximum de volontaires entre 18 et 45 ans. Simone passe des annonces dans les journaux, fait jouer le bouche à oreille. Elle cherche des profils destinés à dégager les combattants des tâches civiles. Des conductrices, des mécaniciennes, des infirmières, des médecins, des secrétaires. Finalement, ses recherches sont fructueuses. Comme elle, il existe de nombreuses femmes déterminées à combattre pour la France. Parmi les missions de ces volontaires, si certaines sont affectées à la surveillance des toits de la ville pour prévenir en cas d'attaque de bombardiers, d'autres vont entrer dans les services de renseignement. Et elles vont signer un engagement qui va les obliger, parfois, à devenir décrypteuses ou même à revenir sur le territoire français comme agents infiltrés. Simone, quant à elle, en créant le 7 novembre 1940 le Corps des volontaires féminines, va se dédier d'abord à des tâches d'encadrement. Car son unité regroupe des femmes qui servent dans toutes sortes d'administrations ou de corps militaires. En revanche, elles se retrouvent dans leur caserne le soir et vivent une existence commune de militaires. Voici comment Jeanne Boeck, une des subordonnées de Simone Mathieu, a décrit la vie en commun. Tôt le matin, après l'appel et le petit déjeuner, deux fois par semaine, nous faisions l'exercice dans les rues avoisinantes, croisant parfois des équipes de home guard, apprenant eux aussi les manœuvres militaires. Puis c'était la dispersion, chacune se rendant à son travail. Les unes étaient secrétaires dans les différents services des forces françaises libres, d'autres conductrices, infirmières, occupant tous les postes où il était admis qu'une femme pouvait remplacer un homme. Voici donc ce que faisait Simone Mathieu, faire en sorte que le corps des volontaires féminines remplisse toutes ses missions, faire face aux imprévus du conflit, comme ce jour du 18 avril 1941. La caserne du corps des volontaires féminines à Londres est touchée par une bombe. Les combattantes s'y entraînaient. Simone se précipite. Elle essaye de secourir ses recrues. Mais l'une d'entre elles a perdu la vie. 10 autres sont blessées. Mais Simone ne fléchit pas. Son fort caractère lui permet de redresser l'équipe. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle a un mauvais caractère, mais qu'elle est d'une amitié merveilleuse. Si bien que, de lieutenant, elle atteint bientôt le grade de capitaine. Peu à peu, l'idée d'intégrer davantage les femmes dans la lutte combattante fait son chemin. Ainsi, le 16 décembre 1943, à la radio sur la BBC, Maurice Schumann, le porte-parole de la France libre, les invite à prendre leur place au rang des combattants. Dans la guerre de 14-18, la femme a donné des centaines d'héroïnes à la liberté. Pour la première fois dans cette guerre, elle lui a donné des centaines de milliers de combattantes. Si Simone Mathieu parvient à remplir la mission que le général de Gaulle lui a confiée en 1940, elle va changer de poste un an plus tard. En décembre 1941, elle est affectée au BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action, les services secrets français. Le siège est à Londres. C'est un organe capital de la France libre. Il a été voulu en partie par Churchill, qu'il a demandé au général de Gaulle afin de renforcer les services de renseignement britanniques. C'est André de Wavrin, qui a porté dans la clandestinité le nom de colonel Passy, qui a créé ce bureau dont l'objectif est de créer des réseaux en France pour rapporter du renseignement stratégique. Or, dans cette tâche, la présence de femmes est nécessaire à la fois pour les envoyer sur le terrain, comme éventuels agents de renseignement, mais aussi à Londres pour servir dans les bureaux, notamment au décryptage. C'est une des tâches dont sera chargée Simone Mathieu. L'une des recrues de Simone Mathieu, Jeanne Boeck, une chimiste de formation, a été recrutée par le BCRA. Voici comment elle décrit son action. Arrivée à Londres, j'appris l'existence du général de Gaulle et des FFL. Je m'engageais alors dans le corps féminin des volontaires françaises, d'abord comme secrétaire, puis comme chimiste dans un laboratoire, étudiant la fabrication artisanale d'engins de sabotage. Dès 1942, je demandais au Bureau central de renseignement et d'action de partir pour la France, instruire les résistants de nos petites recettes. Je finis par être acceptée en septembre 1943. Je suivis alors des stages de formation dans les écoles anglaises spécialisées
école de sabotage, de sécurité et de parachutage. Chargé de mission d'instructeur de sabotage pour la Bretagne avec le pseudo Râteau, je fus parachuté en France le 29 février 1944. Une chose étonne. Pourquoi Simone Mathieu, qui était chef de corps, se retrouve à un poste au sein du BCRA beaucoup moins prestigieux? Comment expliquer ce changement? De Gaulle et ses proches ont-ils quelque chose à lui reprocher? La rumeur voudrait que Simone Mathieu aurait refusé de se plier à un ordre stipulant que ses subordonnés ne devaient en aucun cas avoir des relations avec un homme gradé. L'affaire n'est sans doute pas vraie. C'est plutôt son caractère qui peut-être lui a joué des tours dans les relations avec ses supérieurs masculins. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'année 1942, à la suite du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, la France libre change de visage. Elle commence à avoir un territoire plus vaste et elle entreprend d'intégrer les femmes combattantes dans le cadre de reconstitution d'une armée de masse. À cette date, le corps des volontaires françaises libres comptait 400 membres. En juin 1943, on sait que Simone Mathieu se rend à Alger, aux côtés du général de Gaulle. Pendant que le chef de la France libre se consacre à la création du Comité français de libération nationale, la jeune femme, devenue capitaine, travaille sur des réseaux d'espionnage au sein du BCRA. Sa promotion montre son utilité au sein de ce service. Il sera essentiel dans la préparation du débarquement et dans la libération de la France. Et donc, le fait que Simone Mathieu puisse défiler aux côtés du général de Gaulle sur les Champs-Élysées le 26 août 1944 montre évidemment la reconnaissance et les services qui lui étaient dus. À la fin de la guerre, pourtant, Simone Mathieu n'occupe aucune place dans l'organigramme du gouvernement provisoire dirigé par De Gaulle. La championne n'a jamais vraiment rêvé d'une carrière politique. Elle souhaite plutôt retrouver sa famille. Et puis bien sûr, le tennis français. À 36 ans, elle ne rejouera jamais les internationaux de France. Mais on va lui proposer de prendre la tête de l'équipe de France féminine de tennis. Simone va aussi diriger le comité de direction de la Fédération française de tennis. Toujours alerte, souriante, rieuse, Simone Mathieu a réussi à reprendre sa vie d'avant, tout en conservant un attachement très particulier, celui du tennis, le sport de son cœur. Après une longue carrière et une belle vie, elle s'éteint le 7 janvier 1980 à Chatou, en région parisienne. 26 ans après son décès, le tennis va lui rendre un véritable hommage en la faisant entrer dans le Tennis Hall of Fame, ce musée près de Newport aux États-Unis, qui rassemble les noms des plus grands joueurs mondiaux. Mais il fallait encore faire connaître son incroyable contribution à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance française. C'est en 2017 que finalement la mairie de Paris a donc décidé de baptiser un des cours de Roland-Garros en son honneur, une manière de porter à la lumière le combat qu'elle avait mené dans l'ombre. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda, préparée par Adèle Salmon, réalisée par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.